Non, mais t'as vu ce gâchis? Des semaines que cette toile n'a pas été relevée. Ouais, c'est une honte. Les araignées nous laissent déjà pas grand-chose à manger, alors si en plus c'est pour tout laisser pourrir sur place... En même temps, un ragoût de mousse bien moisi, tu fais le guet. Alors, bande de voleurs, je vous y prends. Désolé les amis, je pensais pas vous faire aussi peur. C'est moi, Patricia, c'était une blague. Alors, les voleurs. Ah, ouf, bah, tu nous as bien eu. Sympa ton nouveau look. Oui, en ce moment j'ai envie de changer un peu, vous voyez. Et vous les copains, quoi de neuf? Eh ben regarde, il y a vraiment un problème. Les araignées ne s'occupent plus du tout de leur toile depuis plusieurs jours, c'est pas normal. C'est inquiétant. Il faut en parler à Maurice, je pars le prévenir. Salut les copains, je viens de discuter avec Al et Bob d'un phénomène vraiment étrange qui... Désolé Patricia, on devra en reparler plus tard. Le devoir nous appelle, les as de la jungle. Allez, let's go. Bonne mission. Et hop. Ah. Oh, sûrement des enfants qui sont venus jouer avec la sonnette. Ils ont oublié leur ballon. On joue ? Mais arrêtez enfin, c'est pas un ballon. C'est un tatou. Ils se mettent en boule pour se protéger des prédateurs. Eh ben ça, c'est ce qu'on peut appeler un sacré look. Désolé de t'avoir prise pour un ballon. Pas de problème, grand guerrier tigre. J'ai l'habitude. Bon, alors mon ami, dis-moi ce qui t'amène dans le coin. Je m'appelle Audrey. Je suis arachnologue et arachnophile. Miguel pas tout compris, mais Miguel pouvoir taper petite bébête. Mais non, Miguel, notre ami vient justement de nous expliquer. Elle est arachnologue, ça veut dire qu'elle étudie les araignées. Et arachnophile, ça veut dire qu'en plus, elle les adore. Et c'est ce qui m'amène. Des araignées ont commencé à disparaître de façon inexpliquée il y a quelques semaines. Des colonies entières ont abandonné leur toile du jour au lendemain. Ah, justement, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Al et Bob ont aussi remarqué que les araignées avaient disparu. Quelle coïncidence, c'est amusant. Mais ça n'a rien d'amusant, Patricia, c'est très grave. Les araignées sont indispensables à l'équilibre écologique de cette jungle. Si elles disparaissent, on sera bientôt envahis par les insectes. Audrey, est-ce que tu as une idée de ce qui a pu se passer? J'ai une piste en tout cas. Hier soir, j'étais cachée derrière un buisson pour observer une communauté d'araignées que j'étudie depuis plusieurs mois. Quand soudain, comme sortie de nulle part, une silhouette monstrueuse est apparue. Je suis Octoris, votre dieu. Vous avez été choisis. Vous êtes les élus. Vous devez m'accompagner pour accomplir votre destinée. Suivez-moi. Je les ai suivis discrètement jusqu'à l'entrée d'une caverne. Mais je n'ai pas osé aller plus loin toute seule. Ces araignées ont besoin des as, grand guerrier tigre. Ok, t'inquiète pas, Audrey. On va retrouver les araignées et rétablir l'équilibre écologique de cette jungle. Conduis-nous jusqu'à la grotte. Petite araignée, on va aller retrouver tes copines. Ah, désolé. Bibi est très sensible. Allez, les amis, en route! Étrange, cette variété d'arbres ne me dit rien. La dernière fois que je suis passée ici, cette forêt n'était pas là. Et ça fait à peine quelques jours, c'est étrange. Il y avait juste quelques plantes carnées. Bon, quelques quoi? Allez, dis-nous, c'est pas sympa de t'arrêter comme ça au milieu de ta phrase. Alors, quelques quoi? Surtout que personne ne bouge. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas envie de savoir ce qu'il y avait avant ces arbres, vous? Ça va être un peu sportif pour passer. Audrey et Miguel, vous allez jouer au baseball. Junior et moi, on va faire un peu de bowling acrobatique. C'est parti! Banzai! Bien joué, fiston. Bon, ben, baseball, Miguel.
Tapez. Et voilà, sans les araignées pour manger les insectes, ce sont les plantes carnivores qui en profitent et qui grossissent démesurément. Décidément, il est vraiment urgent de retrouver les araignées. Audrey, on est encore loin? C'est par là, on est presque arrivé. Vladimir! Allez, mes enfants, plus vite, plus vite! Octorus est impatient d'admirer ce chef-d'œuvre! Vladimir, l'animal le plus vaniteux de cette jungle a encore trouvé de nouvelles esclaves pour mener à bien ses rêves de grandeur! Salvador! Silence, peintre! Ah, que c'est impossible de peindre avec toutes ces bestioles de partout! Elles me font trop peur! Octorus se moque de tes frayeurs, peintre! Le simple fait de créer ce portrait d'Octorus devrait suffire à te faire oublier toute peur et à te combler de bonheur! Les araignées obéissent à Vladimir aveuglément. On dirait qu'elles le prennent pour une sorte de dieu! C'est ça! Si nous arrivons à lui retirer son costume ridicule, nous révélerons la supercherie! Les araignées retrouveront leur raison! Et leur liberté également! Tous à vos postes, les amis! Vladimir, tu es fait! Nous allons libérer de ton emprise Salvador et toutes ces gentilles araignées! Ah, les as de la jungle, quel bonheur! Oui, pitié, délivrez-moi de cet endroit! Maurice, le grand guerrier tigre, encore toi dans mes pattes! Mais cette fois, tu ne pourras pas te mettre en travers de ma route! Mes enfants capturez ces intrus! Grandiose, que dis-je ? Elle est Vladimiresque ! Alors, grand guerrier tigre, reconnais-tu ta défaite face à l'immense Vladimir ? Vladimir, tu es sûr que tu as capturé tous les as ? Voyons, Maurice, Junior, Gilbert, Patricia et... Malédiction, où est ce gorille de malheur ? Ici ! Danser Vous êtes libres, mes amis. Octorus n'était qu'un imposteur. Les as de la jungle sont vos amis. Vous pouvez les relâcher. Ah, merci les araignées. On se sent mieux. Maudits as de la jungle! Le grand Vladimir a plus d'un tour dans son sac. Vous ne m'arrêterez jamais. Audrey, ça te dit une petite partie de ballon? Avec plaisir, Maurice. Maintenant que vous vous êtes débarrassé de cet affreux individu, à votre place, je retournerai vite me goinfrer de tous ces insectes qui commencent à envahir la jungle. Oui, oui, c'est ça, les araignées. Oui, oui, partez, partez loin d'ici. Ouh. Ah, merci les as de m'avoir libéré. Cet odieux petit personnage a failli me dégoûter à tout jamais de la peinture. Quoi? Petit personnage, moi, le grand Vladimir. Je me vengerai, je me venge... Ah, merci, Bibi. Il commençait vraiment à m'agacer, lui. Mais vraiment, Bob, ton idée était excellente. Rien de meilleur qu'une mousse bien pourrie que y a même la toile.
Ah tiens, bonjour. C'était à vous les insectes? Désolé, on ne savait pas. Eh, c'est pas si grave, hein? Si. Et voilà, ça fait 258. Le compte y est. Allez, copine. Quoi? Ah bon? 358? Mmh. Oh. 259. 260.